Sire, 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 oh sire, c'est horrible, sire, terrible, sire. Mais qu'est-ce que vous me chantez, là? Eh bien, nous étions de retour de mission, celle que vous nous aviez confiée. Comment vous dites déjà le nom? La quête du Graal, mon Perceval. Ah. Et vous l'avez trouvé? Ah, pas encore, sire. Non, cher. On est sur une piste. Ah, c'est déjà ça, hein. Ah, ouais. Laissez-moi vous conter ce dont nous avons été témoins. Nous rentrions de mission et nous sommes passés par le village. Et il y avait tout vide dans le village. Tout vide, tout vide. Comment ça, tout vide? Il n'y avait plus personne. Il restait juste les animaux. Pas effrayé du tout. On a vu des sangliers de sacrées bêtes. Hein. Mais où sont les villageois? Mais c'est horrible, sire. Être roi des personnes qui ne veulent plus sortir de chez eux, c'est terrible, sire. Horrible. Mais qu'est-ce que vous nous baragouinez, là? Ils font quoi, les villageois? Ils sont où? Ah, ils se sont confinés chez eux. Il paraît que le dragon coronavirus est de retour et qu'il brûle tout le monde avec son puissant souffle. Attendez. On les a pas tous tués là, les dragons? Si. Bah, c'est sûrement Elias de Cadiwick, hein. Hein? Elias de Cadiwick. Bah oui, c'est un enchanteur. Et je le connais bien, le loustiquin. Il est capable d'avoir dressé un dragon pour foutre le feu partout. Attendez, merde. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a un enchanteur qui est capable de dresser un dragon pour nous attaquer? Pour nous attaquer, non, je dirais pas ça. Elias de Cadiwick n'est pas un fourbe. S'il a lâché son dragon, c'est pour nous demander quelque chose. Quelque chose à nous demander? Bah, il peut pas demander une audience au roi Arthur, comme tout le monde. Bah, c'est qu'il a son petit ego, hein, le petit Elias de Cadiwick, hein. Faut qu'on l'invite, monsieur, pour faire parler de lui. Mais depuis quand vous le connaissez, cet Elias de Cadiwick? Bah, depuis tout petit, j'étais à l'école avec lui. Mais vous ne nous avez jamais dit qu'il y avait d'autres enchanteurs que vous dans le royaume. Bah, pour qu'ils me volent ma place, c'est déjà pas facile de se faire un réseau sur le royaume, voilà. Mais parce qu'il y a encore d'autres enchanteurs dans le monde, vous êtes combien? Bah, on doit être à peu près une centaine, mais il y a des charlatans aussi. Sire, sire, c'est horrible. Si ça se trouve, à l'heure où nous parlons, une armée de dragons s'apprête à venir pour brûler le royaume. C'est horrible, sire, nous allons tous mourir. Mais calmez-vous, Bort. On va trouver cet Elias de Cadiwick et nous allons dialoguer avec lui. Il habite où? Bah, sûrement dans sa grotte. Il crèche depuis plus longtemps ou quoi? Bah, tout juste à côté, près du château. Et personne, en se baladant dans la forêt, l'a rencontré, cet Elias de Cadiwick. Bah si, moi. Au début, je pensais que c'était un elfe. Il cueillait des champignons. Bon allez, on va le voir dans sa grotte. On va pas tergiverser, hein. Sire, puis-je rester au château pour protéger la reine? Sire, je peux m'en occuper. Bon, on va y aller tous ensemble, de toute façon, c'est juste à côté, hein. Ouais, je suis...